Bonjour, c'est Aurélie Guéry, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je vous parle des fruits d'été. Pour commencer, on s'intéresse à la pastèque qui est particulièrement appréciée sous les fortes chaleurs. C'est un fruit très désaltérant. En effet, la pastèque contient 93% d'eau, une bonne façon d'hydrater le corps. Elle apporte également de la vitamine A, C et du lycopène qui sont des antioxydants bons pour les artères et la peau. On consomme la pastèque bien mûre, plutôt entre les repas principaux, car son indice glycémique est assez élevé, même si sa charge glycémique, c'est-à-dire sa quantité de glucides dans une portion, est plutôt faible. Elle se consomme crue, simplement en quartier, cube ou bille si vous souhaitez varier les présentations. Elle se marie très bien à une salade de fruits d'été avec du melon et de la menthe, ou en version salée, intégrée dans une salade avec de la feta et de l'huile d'olive. Voilà un granité de pastèque très rafraîchissant pour l'été. Vous avez juste à mixer la chair d'une demi-pastèque en y ajoutant 2 cuillères à soupe de jus de citron et 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Vous remuez le tout, vous placez dans un bac à glaçons. Vous laissez au congélateur 4 à 5 heures et ensuite vous avez juste à les mixer quelques secondes pour réaliser cet aspic granité. Il y a aussi le melon qui contient une haute teneur en vitamine C et aussi en bêta-carotène. Alors ses propriétés antioxydantes, sa teneur en vitamine B9, son effet détoxifiant grâce à sa teneur en potassium et sa richesse en fibres, bon pour le système digestif, en fait un aliment protecteur contre certains cancers. Pour avoir le maximum de ces nutriments, il faut choisir le melon bien mûr. Il se déguste tel quel, en salade ou en brochette de fruits avec des fraises, des pêches ou d'autres fruits d'été. Il est très bon aussi en sorbet ou en jus purifiant avec du concombre, du citron, du gingembre et de la menthe, ou encore en soupe glacée mixée avec du citron. Il se marie bien aussi aux préparations salées avec un peu de sel, du jambon, dans des salades fraîches, avec des tomates, du concombre, du fromage ou avec aussi du saumon et de la ciboulette. Un taboulé hyper simple de tomates cerises et de melon. Vous avez juste à couper la chair d'un melon en petits cubes, une barquette de tomates cerises en deux. Mélangez tout ça avec 6 cuillères à soupe de semoule complète, de la menthe ciselée, 2 cuillères à soupe de jus de citron, du sel et un peu d'huile d'olive. Vous laissez au frais une bonne heure, la semoule va gonfler et c'est prêt. L'abricot est aussi un bon fruit d'été qui est riche en fibres et en de très bons antioxydants, notamment en provitamine A, qui est utile pour lutter contre les effets néfastes des radicaux libres. De plus, sa richesse en fibres, en magnésium et en cuivre permet de lutter contre l'anémie. Alors l'abricot se consomme nature, mais s'intègre aussi facilement de nombreuses recettes de tartes sucrées avec des amandes, du romarin ou encore en compote, en salade de fruits d'été avec des framboises. Il est très bon aussi sous forme de jus ou de smoothie. Il se déguste aussi en confiture, poché, en sirop. Et cuit, il donne un petit côté caramélisé aux recettes salées. Un smoothie à l'abricot, banane et lait de coco. Pour un grand verre, vous avez juste à mixer 3 abricots dénoyautés, une demi-banane, une cuillère à soupe de jus de citron, un petit verre de lait de coco et un filet de miel. Il y a aussi la fraise en fruit d'été, une des meilleures sources de vitamine C. Une portion d'environ 150 g couvre la totalité de l'apport conseillé en vitamine C. Elle est très rassasiante, elle est riche en eau et apporte peu de calories. Manger des fraises régulièrement est très bénéfique pour un effet détoxifiant et anti-inflammatoire. Elle apporte aussi des flavonoïdes qui sont des antioxydants qui ont un effet protecteur contre certains cancers. Alors la fraise, elle se déguste telle qu'elle, avec un peu de menthe ou de basilic ciselé, en smoothie avec du lait végétal, ou encore en confiture, en sorbet, ou en coulis sur un cheesecake par exemple. Elle s'intègre parfaitement dans les recettes de tarte, de crumble, de tiramisu. Elle se marie bien avec la rhubarbe et les recettes aussi à base de yaourt, de mascarpone et de fromage blanc. Alors on consomme la fraise aussi en version salée, dans des salades d'été avec de la roquette, des asperges, des noisettes ou des amandes. Un sorbet à la fraise fait en 2 minutes. Il vous suffit de mixer une banane avec un bol de fraise coupé en morceaux et 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, puis vous mettez le tout au congélateur au moins 4 à 5 heures. Et enfin, il y a aussi les myrtilles, reconnues pour leur grande capacité antioxydante. Les myrtilles permettent de renforcer l'organisme et de prévenir aussi certaines maladies cardiovasculaires et certains cancers. Grâce à ces excellents nutriments, les myrtilles sont également bonnes pour la vue. Elles améliorent le système digestif et les troubles circulatoires. Elles apportent beaucoup de vitamine C, de provitamine A, des fibres, du phosphore, du calcium, du magnésium et des vitamines du groupe B. Alors la myrtille est très bonne nature, elle se déguste aussi en jus aux grandes propriétés nutritionnelles. Sa saveur s'intègre bien dans un porridge ou un smoothie complet à base de flocons d'avoine, d'amandes et de lait végétal. On la retrouve également dans des recettes de tartes ou de muffins. Et dans les préparations salées, la myrtille s'agrémente bien d'épices et elle s'intègre aussi dans des salades fraîcheurs avec du chèvre et une sauce au miel par exemple. Pour 2 personnes, vous mettez 100 ml de crème de coco au congélateur environ 15 minutes.
Puis ensuite, vous la fouettez à l'aide d'un robot avec une cuillère à café de sucre glace et 80 g de mascarpone jusqu'à ce qu'elle ait la texture d'une chantilly un peu ferme. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous ont plu et je vous dis à très bientôt.